Dans une interview, Tom Holland et Zendaya ont révélé leur choix concernant le futur interprète de Harry Osborn. La présence de Timothée Chalamet dans le MCU a déjà été évoquée à plusieurs reprises. Bien que l'acteur ait auditionné pour le rôle de Spider-Man et que les studios de Kevin Feige et Sony lui aient finalement préféré Tom Holland, de nombreux cinéphiles espèrent que l'acteur, récemment vu dans Dune, rejoindra un jour l'univers Marvel. C'est également le cas de Zendaya, Tom Holland et Jacob Batalon qui, dans une interview accordée à AP Entertainment, ont suggéré le nom de Timothée Chalamet pour que l'acteur incarne le prochain Harry Osborn. Ce serait un bon Harry Osborn. Je pense que ce serait bien de l'introduire en tant qu'ami de Spider-Man, et ensuite il deviendrait en quelque sorte méchant. Il pourrait être un bon méchant, a déclaré Tom Holland pendant l'interview. Il est vrai qu'au cours de sa carrière cinématographique, Timothée Chalamet a été capable d'incarner plusieurs personnages aussi torturés que profonds, un mélange qui donnerait plus de poids à l'arc tragique de Harry Osborn dans le MCU. Compte tenu du fait que les prochains films Spider-Man sont en cours de développement, il serait possible que les longs-métrages incluent le fils de Norman Osborn. Le retour du lutin verrait en la personne de Willem Dafoe rend l'introduction de Harry inévitable, même si une autre possibilité serait que Ned devienne le prochain lutin vert. Cependant, Timothée Chalamet n'a jusqu'à présent pas montré d'intérêt à rejoindre le MCU, car, comme il l'a récemment déclaré, il a été dissuadé de participer à l'univers cinématographique. Cela dépendra bien sûr du rôle qui lui sera proposé, mais nous pouvons aussi très bien imaginer l'acteur jouer le prochain Harry Osborn.